plus en plus de femmes portent le voile intégral à Bamako. Des imams charismatiques et des guides spirituels voient leur audience grandir. En particulier les wahhabites conservateurs, en partie financés par les États du Golfe. Mahamoud Diko est président du Haut Conseil islamique malien, la plus haute autorité musulmane du pays. Il a étudié en Arabie Saoudite et refuse de condamner les islamistes du Nord. Le monde est en train de commettre une erreur, c'est de chercher à solutionner la violence par la violence. Nous pensons que ce n'est pas la solution. Il faut d'abord savoir pourquoi ces gens-là ont opté pour la violence. Aujourd'hui, on doit se poser des questions pour le savoir. Mais je pense que les gens ne se donnent pas le temps nécessaire, ils ne fournissent pas l'effort nécessaire pour savoir pourquoi ces gens-là se comportent comme ça. Plutôt, les gens pensent qu'il ne faut pas leur parler, il ne faut pas négocier avec eux. Ils sont... Ça, de mon point de vue, c'est une erreur. Pour Mahamoud Diko, le problème, ce ne sont pas les islamistes. L'ennemi est à chercher en dehors du monde musulman. Mais aujourd'hui, qui a besoin d'intermédiaires pour avoir des armements? Personne. Si vous avez un petit moyen, vous pouvez vous procurer une arme. C'est le monde inondé par des armes, sans contrôle. Ça, tout le monde le sait. C'est pour cela qu'il y a des guerres par-ci, par-là, il y a l'insécurité qui règne un peu partout. Bon, je ne sais pas, vraiment je suis désolé, mais je ne sais pas qui est derrière. Non, je ne sais pas qui est derrière, mais ce que je sais, c'est qu'aucun pays musulman ne possède vraiment une usine de fabrication d'armements.